Bonjour à tous. Comme vous l'aurez compris, cette vidéo est en partenariat avec la marque EasyCur. Ils m'ont généreusement envoyé cette caméra sport IG400 afin que je vous la présente. Désolé pour mon décor, il n'est pas top, mais lors d'une précédente vidéo, je vous parlais de ceci. L'achat d'une potentielle nouvelle maison, qui va être ma première maison d'ailleurs, ça va être mon premier vrai achat. En effet, c'est bientôt le déménagement pour moi, et à l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis peut-être déjà dans ma maison. Si vous allez sur le site d'EasyCur, vous avez aussi la caméra IG200, la IG220, la IG400 et la IG600. Si vous cliquez sur la caméra IG400, ça vous amène directement sur Amazon car ils sont affiliés avec Amazon et en plus la caméra est moins chère. Le lien est en description. Après avoir passé commande, vous recevrez votre caméra dans une petite boîte au design plutôt sympa. Une fois ouvert, vous tombez du coup sur le manuel d'utilisation. Ensuite, dans le petit compartiment inférieur de la boîte, vous trouverez du coup la ceinture de montage. Pour information, cette ceinture de montage fait 1,94 m. Donc autant vous dire que vous pouvez la fixer sur beaucoup d'arbres. Vous trouvez 4 piles. Et vous trouverez avec ça un câble USB. Le câble USB permet de brancher votre caméra directement à votre ordinateur. Et bien évidemment, la caméra IG400. Vous avez deux loquets de verrouillage. Et une fois ouverte, vous accédez directement au bouton on-off et à tous les boutons de réglage. Donc le pas de vis pour mettre sur un trépied. Et vous avez le compartiment à piles. Elle fonctionne très bien avec 4 piles. Mais si vous mettez 8 piles, vous prolongez littéralement sa durée de vie. Dans l'appartement où je suis actuellement, j'ai la chance d'avoir un petit jardin. Il faut savoir que en été, je donne de l'eau aux animaux. Du coup, je mets de l'eau dans un petit bac et puis comme ça, ils peuvent venir s'abreuver s'ils le souhaitent. Du coup, après avoir reçu la caméra, j'ai fait les réglages, j'ai mis la date et l'heure et ensuite, j'ai pu la fixer donc contre un arbre. Et puis j'ai pu voir les oiseaux venir s'abreuver dans le petit bac. Pour le premier test de cette caméra, je l'avais réglé en résolution de 1920x1080, une fréquence de 30 images par seconde et un temps de vidéo de 10 secondes. Comme vous pouvez le constater sur la partie inférieure de la vidéo, vous avez la marque de l'appareil, vous avez la température, la date et l'heure. Donc là, vous pouvez actuellement voir 5 petites séquences vidéo. Bien évidemment, la caméra fait aussi des photos, je les ai juste pas mises au montage. Ensuite, je voulais tester la caméra directement dans la forêt. Du coup, j'ai été la déposer. Lorsque j'ai été déposer la caméra en forêt, j'ai mis une résolution vidéo en 2704x1520 et une fréquence de 30 images par seconde avec un temps de vidéo de 15 secondes. J'ai déposé la caméra un mardi en fin d'après-midi et je l'ai récupérée un vendredi matin en fin de matinée. Du coup, elle est restée dehors pendant 2 journées et demie et 3 nuits. Le fameux vendredi matin, je suis parti la rechercher. Juste que je retrouve où est-ce que je l'ai mise. J'ai pas l'impression d'avoir été aussi loin. Ah, elle est là-bas. Comme vous pouvez constater, la caméra elle est sur l'arbre là-bas. Pourquoi je l'avais mis ici? Parce qu'il y a une petite coulée.
Donc ça veut dire que c'est un passage pour les animaux, que en tout cas les animaux empruntent. Et il y a plein de petits grattis. Là ça a été gratté, là-bas ça a été gratté, là-bas, enfin il y en a plusieurs. Il y a au moins 4-5 grattis. Bon là je suis content, je me suis pas fait voler la caméra, ni la carte SD, tout est en place, rien n'a bougé. Maintenant bah je vais voir ce que ça a pu filmer et photographier. Bon, je suis content parce que du coup j'ai regardé ce qu'il y a dans la carte SD et j'ai des images ainsi que des vidéos d'espèces différentes. Donc là je rentre de ce pas à la maison et je vais regarder ensuite ce que j'ai pu photographier et filmer. On va voir ça ensemble. Pour information, quand j'ai été recherché la caméra, lorsque j'ai regardé sur l'écran LCD ce que j'avais pu filmer, j'ai remarqué qu'il y avait une petite erreur. En effet, là dans les séquences vidéo que je vais vous montrer, ne vous fiez pas du tout à la date et l'heure car en fait j'avais oublié de faire les réglages. En effet, le jour où j'ai testé la caméra dans mon jardin, j'avais fait les bons réglages. J'avais mis les 4 piles qui étaient fournies avec et j'avais fait les bons réglages. Seulement, avant d'aller la mettre dans la forêt, j'avais retiré ces 4 piles et j'en avais remis derrière 8 pour qu'elles tiennent plus longtemps. Le problème, c'est que j'avais pas refait les bons réglages. Donc c'est pour ça, ne vous fiez pas ni à la date ni aux heures. Donc c'est parti, maintenant on va voir ensemble les vidéos que la caméra a pu enregistrer. Donc là, bon, malheureusement, ça c'est chiant parce que du coup on peut pas se fier à la date et encore moins aux heures. Mais bon. Du coup, on peut voir un brocard qui est passé devant la caméra. Là, ça c'est cool, ça fait plaisir. Là, c'est une petite martre. Ouais, ça pour moi c'est une martre. Et vous savez pourquoi je l'ai mis là-bas la caméra? C'est parce que j'étais persuadé qu'il y avait ce type d'animaux, ce type d'espèces qui étaient sur place. Parce qu'il y a vraiment, ça se voit pas forcément dans la vidéo, mais il y a pas mal de pins. Et donc, c'est possible que ce soit la martre des pins. Elle est passée vite. Le déclenchement s'est fait un peu tard, c'est dommage. Ici, il y a un lièvre. Là, il y a un brocard. Pareil, c'est le même. Il passe vite. Il revient. Ça doit être son territoire ici. Parce que ça fait déjà deux fois. Ouais, c'est encore lui. Ouais, ça va être son territoire. Bon, vous voyez que la qualité vidéo en 2700, en résolution de 2700 par 1520, c'est correct, hein, c'est très très bien. En sachant que cette caméra peut filmer en 4K, je tiens à préciser.
Donc toujours le brocard, on est sur son territoire. Donc là, je vous laisse défiler toutes les vidéos, hein. Je ne fais pas de coupure. C'est des vidéos de 15 secondes, donc ça va, c'est pas long. Donc ici, toujours le brocard, toujours le même. Là, il est aux aguets. Il a peut-être entendu du bruit, il y a peut-être un autre animal qui s'approche de son territoire. Ah, là, on passe de nuit. Voilà, encore lui qui passe. Ouais, bah, on était sur son territoire, hein. Voilà. Alors, là, ah si, là on voit des sangliers arriver. On voit les yeux qui brillent au loin. Je dirais que j'en compte deux. Ouais, j'en compterai deux. Pour moi, il y a deux sangliers. Ici, bah, vous avez du coup un bon pépère, hein, qui est curieux. Peut-être un mâle. Vu les poils pubiens, on dirait que c'est des poils pubiens qu'on voit, donc c'est sans doute un mâle. Ah, là, ça allait très vite ici. Après, il se passe plus rien, mais on va voir la photo. Je vais pas attendre les 15 secondes, là je vais aller avant. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un petit écureuil. Un petit écureuil qui est passé très vite. Ensuite, vidéo suivante. Toujours le brocard. Là, je sais pas. Je sais pas si c'est dans la matinée où le soleil se lève ou si c'est en fin de journée. Mais vous voyez, en tout cas, là, la caméra a vraiment le soleil en plein dans la tronche. Ah, et là, c'est moi. Là, c'est moi qui me gourde de chemin, qui trouve pas la caméra. J'avoue que sur le coup, j'ai eu un petit flip. Je me suis dit, non, mais attends, où est-ce que j'ai placé cette caméra, là? Voilà, là, je suis paumé, littéralement. Et sur la vidéo suivante, bah là, on va voir que je vois la caméra. Voilà. Ça y est, je l'ai trouvé. Maintenant, je vais vous parler du menu de réglage, ceux qui sont pour moi le plus intéressant. Donc, je m'aide du manuel d'utilisation parce que forcément, j'ai pas appris tout par cœur. Donc, concernant le mode, vous avez le mode photo uniquement, vidéo uniquement et photo et vidéo. Après, plus tard, pour une utilisation personnelle, j'utiliserai plus le mode vidéo uniquement. Ensuite, vous avez la taille d'image. Ça, c'est par rapport à la photo. Vous avez 3 mégapixels, 5 mégapixels, 7 mégapixels, 8 mégapixels, 10 mégapixels, 12 mégapixels, 16 mégapixels, 20 mégapixels, 24 mégapixels, 30 mégapixels, 48 mégapixels. Ensuite, par rapport aux séries de photos, vous pouvez faire une série de 1 à 3 photos. Le défaut, c'est une photo. Je vous ai pas parlé du mode du défaut de la caméra. En mode, elle est toujours en mode photo. Donc n'oubliez pas de la changer en mode vidéo ou photo vidéo, comme vous souhaitez. Ou de la laisser en mode photo si vous souhaitez. Au niveau de la taille d'image, elle est par défaut à 5 mégapixels. Pensez donc à élever quand même la taille d'image, c'est mieux. Au niveau de la série de photos, elle est sur défaut à 1. Au niveau de la résolution vidéo, très intéressant ça, à savoir, elle filme en 4K, en 2,7K, en 1080p, en 720, et après écrit VGA. VGA, je sais pas. Et par défaut, elle est sur 4K. Et pour finir, je vais vous parler de la durée de la vidéo. Vous pouvez faire en 5 secondes et ça peut monter jusqu'à 300 secondes. Donc si je me trompe pas, c'est environ 5 minutes. Voilà, cette vidéo de partenariat arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été enrichissante. En attendant, n'hésitez pas à me laisser une petite patte bleue, à vous abonner et à me suivre sur Instagram. Tous les liens sont en description. Merci.